Allez, yo tout le monde, c'est Cyril. Aujourd'hui, on se retrouve pour, eh bien, une nouvelle vidéo. Voilà, comme d'habitude. Alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour 4 boosters Destinée Future, les amis, Destinée Future. Oh mon dieu. En italien, voilà, parce que je vais revenir sur certains points que je crois que certaines personnes n'ont pas compris. Ce n'est pas de l'espagnol. C'est pas de l'espagnol et c'est rien à voir avec l'espagnol. Parce que l'espagnol, des boosters comme ça, t'en trouves mais genre super facilement. Mais par contre, en italien, c'est quand même plus difficile et c'est pour ça que j'ouvre que 4 boosters. Voilà, c'est pour ça que j'ouvre que 4 boosters, sinon c'était de l'espagnol. J'en ouvrirais 8 par là autour. Voilà, donc j'espère que ces certaines personnes vont comprendre. Voilà, bon, c'est pas très grave, hein, vous en faites pas, hein, voilà. C'est juste comme ça. Voilà, c'est plus rare que de l'espagnol. Voilà, on peut écrire Pokémon.it, donc Italie. Voilà, c'est quand même plus rare, plus coté, les cartes, etc. Voilà, du coup, 4 boosters. On a Reshiram. Régigigas, magnifique. Deuxième Régiram. Ben voilà, au passage, j'ai même pas les 4 illustrations. Preuve que c'est quand même un peu plus rare. Et Jezekroma, c'est pas abusément rare, mais c'est quand même plus rare. Voilà, les petits 4 boosters. Il manque une illustration. Je sais plus laquelle, rappelez-moi dans les commentaires. Voilà, j'ai toujours un trou de mémoire, tu vois. Mais avant de commencer, j'ai envie de vous présenter dans la commande ce que j'ai commandé en même temps sur un site. Voilà, j'ai commandé un petit Persian X secrète de Force Cachée, les amis, Force Cachée. Je pensais que c'était X-Team Rocket. Eh ben non, je me suis trompé, les gens, je me suis trompé. Voilà, secrète, hein, on voit bien ici. Hop, 116. Si tu veux bien faire le focus, mon ami. 116 sur 115, Force Cachée, Team Rocket, Persian Rocket. Voilà, juste magnifique. C'est pas une carte extrêmement rare, je peux vous montrer l'état. J'ai fait une affaire par contre. Elle est en anglaise, celle-ci par contre. Je l'ai payé 2 euros, il me semble. Voilà, franchement, c'est une affaire. Elle est pas neuve, mais elle est en très très bon état. Et ça, les amis, ça fait plaisir. En plus, elle était sous une pochette super stylée. Je vous montre ça tout de suite. Hop, une petite pochette comme ça, super stylée, ça fait plaisir. Voilà, petite carte qui fait super plaisir. Et aussi, le meilleur que j'ai trouvé, la meilleure trouvaille que j'ai faite, ça les amis, non mais franchement, je suis choqué d'avoir trouvé ça au prix où je l'ai trouvé. C'est pas quelque chose d'incroyablement rare, d'introuvable, ce que vous voulez, on en trouve. Hein, voilà, je sais, on en trouve. Next Master Trainer Deck en anglais. Voilà, donc c'est en fait c'est un trainer deck quoi. Avec comme promotionnel Blaziken. Voilà. Qui date de 2005. Voilà, je peux vous montrer ça. Je sais plus où c'est qui a marqué. Je crois que c'est ici. Voilà, 2005. Je sais pas si vous verrez ici. 2005. Si tu veux bien faire le focus, merci. 2005. Voilà. Donc, qu'est-ce qui inclut 60 cartes, je crois. Ouais, 60 cartes. Dont une carte promotionnelle. Voilà, c'est pas incroyablement rare, mais attention quand même vos oreilles, parce que c'est quand même une très très bonne affaire. Ce truc, je le coterai dans les 30 euros. J'ai payé 8 euros, les amis. Ouais, même plus que 30 euros, je sais pas exactement. J'ai aucune idée de sa valeur exacte. Mais voilà, dites-moi au pire dans les commentaires, les connaisseurs, les amis, si ceux qui connaissent mieux que moi. Bah, vous me direz, parce que moi je suis pas très sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, je dirais 30-40 euros, hein, pas plus. Voilà, du coup, on va passer à l'ouverture, les bros. Voilà, les amis, on commence par les Reshiram, je pense. Alors, on va commencer par les Reshiram, vu que je l'ai deux fois. On va commencer par ça, évidemment. Allez, c'est parti. J'ai un peu une luminosité un peu chelou aujourd'hui. Voilà, du coup, on commence. C'est parti. J'espère avoir le Mewtwo Full Art. Je crois que c'est dans cette série-là. Qu'un Mewtwo Full Art, les gens, ce serait juste épique. Une Shiny, évidemment. Une Shiny, ce serait beau, ce serait magnifique. Évidemment. Comme d'habitude. Voilà, le petit code. Oh là là. Joker Online. Ça, je le garde pour moi. Je vous prépare une ouverture online, hein, comme d'habitude. Voilà, 1, 2, 3. Hop, c'est parti. On espère avoir quelque chose. Ça serait juste bien. Alors, du coup, on a le centre Pokémon. Scraggy.
Voilà. Emolga. Waouh, Emolga, Emolga. Magnifique. J'adore ces séries de noir et blanc là. Flotajou, le mec. What? Le mec, il... Mais what? Ok. Grenipio. Grenipio qui fait super plaisir de revoir surtout. Riolu. Riolu, les amis. Riolu, magnifique. Qui se fait la pause au calme, le mec. Voilà. J'ai dû ouvrir quelques boosters de cette série, mais voilà. Je connais pas tout, donc c'est cool. Lixi. Hippopotas. Voilà, on arrive à la reverse. Darumaron en reverse. Magnifique. Et derrière, nous aurons un flot tout temps. Magnifique. Magnifique carte. J'adore. J'aime bien, j'adore. Franchement, les gens, noir et blanc, c'est vraiment un coup de cœur. Je me pose la question, pourquoi est-ce que j'ai arrêté Pokémon à ce moment-là, en fait? Pourquoi j'ai... Voilà, pourquoi j'ai arrêté les cartes Pokémon à ce moment-là? Je me demande. Voilà, du coup, on passe aux Zekrome. Non, Reshiram, les gars. Non, les amis, non, hein, Reshiram. Évidemment, parce que Reshiram, il pète le feu. Allez, c'est parti. On y croit jusqu'au bout. Hop. Le petit code des familles. Je le garde pour moi. Hop, 1, 2, 3. Allez, une shiny gold, ce que tu veux. Allez. Rachid. Emolga. Centre Pokémon. Starry, magnifique, putain il est trop beau ce Starry mon gars, Starry. Et oui aussi les noms des Pokémon ils sont en anglais et non pas en italien, il n'y a pas vraiment de langue italienne pour les Pokémon. Voilà, lui je sais plus, Funessir, Polarume, Caninos, Lexi, en reverse, ah c'est une rare reverse. Je sais plus son nom, voilà, rappelez-moi, je sais plus celui-là. Je ne sais plus, je mets les cartes un peu là-bas. Hop, Vanilluxvoilà, on va dire en reverse, ça c'est pas mal. Deux rares en un booster. Donc, et derrière nous aurons. Lourd. Garde-voir en holographique, les amis. Garde-voir en holographique, ça fait super plaisir. Parce que les holographiques de l'époque, les gens, c'était pas facile à choper, hein. C'était pas facile à choper, les bros. Hein. Les amis, tout ce que vous voulez, c'était pas facile. On en avait beaucoup moins, c'est comme les ultras, en fait. Voilà. Garde-voir en holographique, juste magnifique, je suis content. Pour moi, là, j'ai réussi mon ouverture. Allez, on passe au Zekrome. Zekrome. Voilà. Mon illustration préférée, c'est Reshiram. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires quelle est votre illustration préférée. Moi, comme je vous ai dit, ben, c'est chiant. Allez, c'est parti. Hop. On a Code Online. Allez, un petit quelque chose serait juste magnifique. Ou encore une holographique en deux boosters, c'est possible. Pour moi, on a eu le quota. On a eu le quota qu'il faut. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Allez, Kirlia. Magnifique. On a eu juste avant le petit garde-voir, ça fait plaisir. Niveau Ball. Luxio. Magnifique. Plutôt beau. J'aime bien ce Pokémon. Riolu qu'on a plusieurs fois, Lexi qu'on a dans tous les boosters, Hippopotas, Starry, Mienfu, Kungfuin, en river. Oh lourd, ça c'est une rare reverse. Arcanine, regardez, c'est une petite rare. Au passage, je vous montre le logo de la série. Et derrière, oh, yes, mon gars, c'est Chrome EX, yes. Zekrome EX. Ah yes. Oh yes. Yes. Mon gars, ça c'est cool. Oh les gens. Oh je suis trop content. Oh je suis trop content. Parce que les ex à l'époque c'était tellement dur à choper. C'était dur à choper les amis. Putain, c'était 3. T'avais 3 ex dans une display. 3 mon gars, 3, 4 10, 3, 4 ultra. Et là je m'en chope une en 4 booster, les gens, c'est magnifique, c'est ouf, je suis trop content. Oh mon dieu, les réactions épiques juste pour une ex, quoi, tu sais. Ah là là, le dernier booster, si on chope encore au moins une holographique. Oh my god, je serais tellement heureux, putain. Oh là là, énorme ouverture.
Oh my god. Oh là là. Oh. Énorme, énorme. En plus, j'ai rien vu. Normalement, je vois toujours un petit truc, tu sais. Oh là là. Allez, 1, 2, 3, devant. Allez. Putain, non, mais non. Encore une, là. Trop beau. Allez, Luxio, je suis trop content, là. Luxio. Ça, c'est Milotric. Mmh. On l'avait pas eu avant. Je sais plus par contre. Voilà, Griolu, Starry qu'on a eu, que je trouve magnifique derrière la ville et tout. J'adore. Pikachu, nickel. Lixie. Ah non, c'est pas le même Lixie, pardon. Plutôt pas mal. Allez, Tadmorv, Milotric en reverse. En rare reverse, incroyable. En rare reverse et derrière. Lourd, mon gars, lourd. Lourd. Ça, c'est de l'ouverture, les gens. Ça pour moi, c'est une ouverture réussie de chez réussie. Mais genre, mais au top. Au top du top. Top, top, top. Là, les gens, ça s'envoie du top. C'est pour rien dire. Ah, une holographique. Une holographique. Par contre, je sais plus son nom, je suis désolé. Vraiment, vraiment, très bonne ouverture en perspective. Très bien, très bien. Franchement, les reverse ont été super gâtés. Que des rares reverse. Vraiment, mais énorme, énorme. Sinon, on va faire dans. Ouais, non, on va faire. Bon, vous avez tout vu là, c'est pas grave. En premier, on a eu Gardevoir holographique. Magnifique carte, juste sublime, je l'adore. Ensuite, on a eu. Je sais plus, je suis désolé, je ne sais plus ce nom. Le nom de ce Pokémon. En holographique, on voit pas très bien, on voit un petit peu, on arrive à... Voilà. Et en dernière carte, Zekrome EX de Destinée Future, sa maman. Ça, les gens, ça, c'est une carte qui envoie du lourd, qui est juste magnifique. C'est pas la plus rare, je trouve ça la plus commune, mais je m'en fous complètement parce que je la trouve juste magnifique. Je l'ai déjà, voilà, oh là, je crois que je l'ai déjà en plus, mais je m'en fous, elle est trop belle, cette carte. Quand je me suis souvenu de cette série, quand je les ai achetées, je me suis dit, putain, il faut que je les Zekrome X, même que je l'ai déjà, si je l'ai, je suis content. Voilà, bref, vous m'avez compris, on a eu quand même, putain, on a eu trois trucs bien sur 4 boosters. Voilà, donc, les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.